avez apprécié les tutos de la vie, eh bien sachez que des fois, ils se transforment en l'enfer. Du gros caca. Gros caca. Et un retard de 30 minutes environ est à prévoir. Nous prions de bien vouloir nous en excuser. Nous ne pouvons déterminer un retard. Dès que j'ai plus d'informations, je vous tiens au courant. Notre retard est donc toujours indéterminé. Dès que j'ai des informations, je vous tiendrai au courant. Nous prions par ailleurs d'accepter nos excuses pour le retard subi par ce train. Donc, il faut attendre que le train qui inspecte la voie d'à côté puisse arriver jusqu'à Paris pour qu'il n'y ait aucun risque. Et sinon, les équipes caténaires, elles sont sur place pour travailler pour essayer de remettre les circulations. Attention, s'il vous plaît, un médecin est demandé à la voiture barre auprès du contrôleur. Je répète, un médecin est demandé à la voiture barre auprès du contrôleur. Le problème caténaire est résolu. Les deux voies sont alimentées. C'était la bonne nouvelle. Les personnes qui étaient dans un TER sont descendues sur les voies. Toutes les circulations au départ de Paris ou à l'entrée de Paris sont interrompues. Donc pour le moment, certaines circulations sont arrêtées, ce qui devrait provoquer l'arrêt de notre train d'ici quelques minutes. Nous pourrons repartir dès que nous aurons l'assurance qu'il n'y a plus une seule personne sur... Mesdames, messieurs, notre train est encore arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas tenter d'ouvrir les portières sur l'extérieur. Cet arrêt en pleine voie est dû à toujours la présence de personnes au milieu des voies. Quelques minutes, enfin, nous arriverons en gare de Paris-Gare-de-Lyon. Nous vous rappelons que la descente du train doit s'effectuer à l'arrêt et à quai, en plein regard de l'espace ou la hauteur entre le marchepied et le quai. Enfin! Abonne-toi à ma chaîne! Si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos! Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.